Du coup, on va continuer l'histoire. Donc en off, les gars, j'ai juste fait un message, je le redis. Les drones, quelques petites missions, mais tout le reste, les grandes missions principales, on le fait ensemble. Voilà. Donc on est parti. On va continuer du coup. Alors attendez, on est où? On est où sur la map, les gars? J'arrive même pas à me trouver là. Alors déjà, on va regarder l'équipement. On va modifier notre équipement. Hop. C'est quoi comme dégâts, ça, là? Ça, elle est stylée, la tenue, hein? On fait laquelle? Ionique ou tenue sauvante. Franchement, les deux sont pas mal. Vas-y, on va faire celle-ci. Ok. Corps à corps. Celle-ci, en vrai, elle est meilleure, mais parce qu'il y a... Il y a un truc dessus. Voyez, c'est pour ça qu'elle était forte. Du coup, la tenue. Du coup, on va lui mettre quoi sur la tenue, les gars? Puissance 130. On va lui mettre ça, hein. Ça augmente de ouf, hein. Waouh, regardez les dégâts. On est monté à 130, les potes. 130, le corps à corps. Ok. Et la distance? On a encore un équipement, hein, supérieur. Waouh. Oh, l'équipement est pas mal, mais... Oh, on est pas mal, hein. Du coup, en capacité, qu'est-ce qu'on va débloquer? Les appareils électroniques comme les capteurs ne détectent pas Batgirl, on va en prendre ça. Ça va être trop bien en vrai. Oh, trop bien. Ok. Allez, on continue, les gars. Ah, il y a quelque chose là. On va aller voir ça. Maître Richard. C'est Oui. un souvenir avec Batman, ça. Planer, oh, Batgirl peut maintenant planer avec sa cape. On sert pour planer en planant, appuyez pour descendre en piqué. Oh, c'est trop bien. Trop bien. Et salut, salut Max, comment tu vas? Moi, la forme, moi perso, ça va très bien, merci beaucoup. Oh, c'est stylé ça. Bon, on va continuer un peu l'histoire, les gars. Partie. Nickel. Tu bosses pas? Oh, stylé, regardez, regardez les gars.
Non, heureusement. Ah ouais, c'est férié, c'est vrai, j'ai oublié. J'ai oublié. Oh, c'est stylé! On plane maintenant, les gars. Le jeu a l'air vraiment cool. Ambiance Spider-Man, le jeu, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Oh, les dégâts qu'elle fait! Franchement, ce qui est chiant, c'est les gueules, les gars. Je vous jure que c'est le cas de ce que vous êtes. Baston, les gars. Est-ce qu'on lui met, les gars? Oh, les dégâts. Regardez, elle est ralentie, les gars. Ouh. Les gars. Je m'en suis occupé. C'est bon. Merci infiniment. Eh, ça rigolait pas, les gars, là. On y est presque, centrale. Il y a les flics qui vont arriver. Franchement, le jeu, plus on avance, plus il y a des trucs sympas, en fait. Du coup, cette mission est faite. On va aller faire laquelle? Oh, on va aller faire ça. Des agents du GCPD sont attaqués d'Eli avant qu'ils se fassent tuer. Ok, on y va. Oh, c'est tellement bien, les gars, ça. Quel gain de temps de ouf. Ah là 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 là. C'est tellement appréciable. Vous vous rendez pas compte, les gars. Ceux qui jouent pas au jeu, c'est un truc de malade. C'est un gain de temps de ouf. Wow. Regardez comme c'est stylé. Besoin d'agents près de Sixth et Bar.
toi. Aucun flic ne s'en sortira. Regarde ça, c'est qui? Va t'en faire du temps. Le ralenti est énorme, les gars. Franchement. Personne n'est blessé. Qui m'a tiré dans le dos, traître. Merci. Ça aurait pu vraiment mal finir. Je sais que vous ne me croirez pas, mais on est du même côté. Elle parle, c'est ouf. C'est rare qu'elle veut qu'elle réponde comme ça, non? Allez, là on est bon. Du coup, on va s'en aller où? Ici, les gars. Ah merde, je suis dans les airs. C'est vrai que là c'est plutôt sympa les gars, vous voyez les grandes missions, c'est cool. Du coup on peut planer maintenant. Oh ouais. C'est badass les gars, regardez ça. Comme un gosse les gars quand je vois ça. Allez, on va faire ça. Yes. Confirmé. Emplacement de la cache envoyé sur l'appareil de RA. Ça donne pas mal de points ça. Important à faire quand on est à côté. Du coup on a dit qu'on allait faire cette mission. Examen d'une scène de crime, ok. Alors ça c'est pas très compliqué, hein. Y a pas grand chose à faire. Ça par contre c'est tellement appréciable. Qu'est-ce que c'est? Mafia a essayé de se tirer des informations de cette soignante avant de... Merde, c'est compliqué, hein. Et voilà. Ok. Donc ça, c'est fait. Identité secrète compromise. De fausses preuves doivent être placées à un endroit spécifique. Transférez les données sans vous faire remarquer. On va essayer de faire ça, les gars. J'étais pas arrivé.
Allez. Si on vous repère, vous ne pourrez pas intégrer ces fichiers. Bien sûr. Merci. Mission annulée. Je suis repéré. Oh, je suis trop nul, les gars. Tout va bien. Vous pourrez réessayer un autre soir. Ah, j'ai gâché la mission. Je suis nul. D'habitude, il n'y a personne, des fois. Et là, il y avait quelqu'un. Malheureusement. Tant pis. J'avais pas vu. Ah, ça me dégoûte. On va aller voir Fox. Bon sang. Alfred m'a dit que vous aviez beaucoup travaillé sur vos bad gadgets. Disons que je peux encore m'améliorer, surtout en ce qui concerne la technologie. Vous savez que vous allez finir par manquer de pièces à un moment, pas vrai? La nécessité est mère de l'invention, et je vais sûrement avoir besoin de plus de pièces. Voilà ce que je vous propose. Concentrez-vous sur vos trucs de super-héros, et moi, je vous fournirai les pièces. Ça vous va? Je fais le jouer un peu, bon stream. A plus tard, Max. Merci à toi d'être passé. Bon, je vais arrêter cette mission-là, les gars. On va continuer l'histoire principale. Hop. On va aller faire ça, là. Le pingouin, là, on va l'embêter un peu. On va aller embêter le pingouin un peu. Chez les citoyens, alerte à la bombe. Les parieurs ont capturé des citoyens et les retiennent en otage. Désamorcer les explosifs avant qu'ils n'explosent. Oh, ça a l'air d'être chaud, ça, non? Temps de partir. Température à pas de l'heure.
Merde. Effroi, oh, j'ai un c'est chaud. À terre. Appelez vite les secours. Aïe aïe aïe. Ça s'est fait péter la gueule les gars. J'ai échoué dans ma mission. Moi ça m'a décalé. J'ai pas compris là, qu'est-ce qui se passe. Moi ça m'a décalé. Ah en fait c'est une mission qui se refait. J'aime pas trop ça. Ah, ça m'a rechargé la partie, non ? Vous avez des infos sur des parias et des citoyens qui donneraient dans le crime ? Tu déconnes, non ? Peut-être. Peut-être pas. Rien qui dit que les parias ont tenté ça. Mais si ça recommence, on va jeter un œil et tiens au courant. On a réussi, les gars, c'est bien ? Très bien de filer. On va aller faire ça, perturber les opérations de trafic d'organes. D'organes. Ah, c'est chaud. C'est chaud le secteur un peu là, non? Trafic d'organes, les gars. Yeah.
Ça doit être là, quelque part. Ça pourrait mal finir s'il me repère. Faut y aller en douceur. Attention avec ces glacières, on va mettre les nouveaux clients en rogne. Clients à la con. Comme elle veut pas te faire à notre poids avant qu'il nous trouve. Le boss, on est gelé. Ok, c'est bon. J'ai entendu qui est là. J'ai froid, je dois trouver un stockage froid. Rapidement. Le docteur Tompkins est en route pour vous rejoindre. Cette carte peut être n'importe où. On se dépêche là du coup. Atteignez la clinique mobile. On va y être les gars. Grâce à ça, on va aller super vite du coup. C'est stylé ça, en plus on arrive comme ça là. Vous aviez rendez-vous? Je plaisante, venez. On a rendez-vous, ouais. Docteur Tompkins, merci de m'avoir répondu. Y a plus rien qui me surprend avec ces gangs. Merci pour la livraison. J'ai une équipe médicale prête à en faire bon usage. Je suis contente qu'ils soient arrivés à temps. Eh yeah, bien joué. Beffroi, si ça, ça suffit pas à convaincre le pingouin, rien ne le fera. Attention, le pingouin aura sûrement un plan. Là-haut, chez les citoyens, kidnapping en cours. Venez m'aider!
Oh là. Les médias se sont complètement trompés sur vous. Qu'est-ce que c'est? Ne vivez pas votre vie, rectifiez-la. Trouvez le fourgon blindé. Les missions sont de plus en plus intéressantes, je trouve, c'est vraiment cool. Ok. Je suis concentré de ouf, les gars, dans ce jeu. Ça me fait rire. On attaque, les gars. Pognon. Peut-être que ça pourrait m'aider. Raboule le fric. Beffroi, j'ai un lien vers le site web d'un Dr. Q. Essayez de trouver quelque chose. Reçu, je commence à regarder. Je sens que tout ça va mal se terminer. Hop là. Nickel. Du coup, qu'est-ce qu'on a à faire d'autre? Ah ben, dans quoi, là? Ah, là, l'histoire principale qui recommence, les gars. Oh! Un seul des membres les plus riches et les plus puissants de Gotham a effectivement fait de la prison. Oswald Capote, alias le Pingouin. Rendez-lui une petite visite au salon d'Iceberg pour savoir pourquoi il fait exception. Vas-y, on va y aller. On va se déplacer un peu rapide. On va aller voir le pingouille. On va aller voir ce qu'il veut le pingouin, les gars. Salut toi. Elle est trop stylée Batgirl les gars dans le jeu. Voilà. Regardez les gars, c'est pas stylé ça. Allez, on va aller voir le pingouin les gars. On va lui refaire une visite. On va aller voir ce qui se passe. Ah. Elle est vraiment stylée comme ça. Aller au point noir. Saleté de pingouin. C'est l'heure de la sieste pour toi. Ah,
Oh, c'est stylé la prise de la qu'elle lui fait. C'est la porte de sortie, c'est les gars. Joli costume, j'imagine. Oh, oh comme on dit. Là. Il y a un sacré pantin les gars. Mange-toi ça. Que j'ai mis à la gueule. Allez, couche-toi. Salut le pingouin. Ah. Tu sais ouvrir une porte finalement. Alors où est-ce qu'on en était? Peu de musique. On nous écoute. Tu as peut-être des questions, mais moi j'ai des raisons de ne pas y répondre. J'arrive les gars. Hop. Et attention, ce sont des premières éditions. Tu sais, ils sont tous faits sur mesure. Ils coûtent très cher. Touché récemment. Ok, contre les mouchards, les gars, en fait. Le habituel n'était pas disponible. Ah, il est là. Ok. J'ai jamais aimé ce truc. Il va pas du tout avec le reste de la pièce. Je ne sais même plus d'où il vient.
Ah, bah c'est bon, on a tout trouvé, les gars. La lumière, c'est très important. Surtout à mon âge. Mes yeux ne sont plus ce qu'ils étaient. Alors, tu veux jouer dans la cour des grands? Il faut fêter ça. Apporte-moi cette bouteille de whisky. Ok, bébé. C'est fait. Voilà ce qui m'intrigue. Pourquoi t'as purgé ta peine alors que tous tes petits copains friqués ont pu y échapper? Ils ont été avantagés. Pas moi. Qui est-ce que t'as énervé? Elle est pour tous un secret. Sur la cour, nul ne dit mot. La cour des hiboux n'existe pas. Le Powers Club. Oui. C'est là que vont tous les nantis pour s'encanailler. Ça peut valoir le coup d'œil. Pour ma part, je préfère éviter ce nœud de vipère. Mais ça va si c'est moi qui y vais. J'ai perdu de nombreuses années de ma vie à Blackgate. Vas-y, fais ce que tu as à faire. Ne leur dis pas que c'est moi qui t'envoie. Ah ouais, carrément. C'est pas qu'il a... Hop. Beffroi, vous avez tout entendu? Le pingouin était vachement serviable. Ou alors, il s'est confumé. Ça m'étonnerait pas, mais... Il a l'air convaincu de l'existence de la cour des hiboux. Ça roule. Je vais creuser un peu cette histoire de cour. Salut, ici Beffroi. Tu pourrais aller voir ce que fait Alfred? Il est sorti il y a un moment et j'ai pas de nouvelles. Alfred arrête pas de sortir ces jours-ci. Il combat peut-être des criminels de son côté. Il a dit qu'il avait un autre rendez-vous avec Jacob Kane. Il a insisté pour y aller à pied. À cette heure-ci, c'est qu'on est à Gotham, non? Tu connais Alfred? Tu peux t'assurer qu'il va bien? Il y a des drones de surveillance. Scannez-les et vous pourrez voler dans le secteur. Comme ça se passe, les gars. Le voilà. Qu'est-ce qui se passe-t-il, Alfred? Colonel Kane. Sergent Pennyworth. Pardonnez-moi d'avoir repoussé notre rendez-vous. Il y a toujours tellement à faire dans cette ville. Je comprends parfaitement. Je croule sous la paperasse depuis le décès de Bruce. Ah, oui. Je n'y crois toujours pas. Enterrer Bruce est la chose la plus difficile que j'ai eu à faire. Oui. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit après Martha et Tommy?
Vous avez dit, la vie compte quand la mort compte. On prend les vivants pour acquis jusqu'à ce qu'ils partent. Je ne sais pas ce que va faire la Fondation Wayne sans Bruce. J'imagine que Maître Grayson vous aide d'une grande aide pour prendre vos marques. Oui, on peut dire ça. Dick a rencontré son premier investisseur. J'étais surpris par son talent. Chaque jour, je découvre... Alors les vieux, on s'est enfuis de la maison de retraite? On vous a pas dit que c'était dangereux la nuit? Chaque jour, je découvre de nouvelles raisons d'être fier. Videz vos poches ou je vide mon flingue. Pareil. Vous savez quoi? Laissez tomber. Il s'est défilé, le pauvre. Ce voyou ne savait pas à qui il avait affaire. Entrez. Discutons autour d'un verre. Je ne me ferai pas prier. Mais nous ne tarderons pas trop. Je ne veux inquiéter personne. Il sait qu'on est là, en fait. C'est mignon. Alors, Beffroi, qu'est-ce qu'on a sur la cour? La légende de la cour des hiboux remonte à la fondation de Gotham. Selon le poème, c'est censé être une société secrète qui contrôle toute la ville depuis les ombres. J'ai dû le lire quand j'étais petite. Mais pourquoi le pingouin nous ferait courir après un vieux conte? Si la cour existe, et qu'ils sont aussi puissants qu'ils le prétendent, ils pourraient être derrière les libérations de prisonniers de Blackgate. Et ceux qui l'ont fait s'en sortent à chaque fois depuis... des siècles. Bien reçu. J'espère qu'une visite au Power Club mènera quelque part. Le Power Club, il est là. Donc on va se décaler là. Hop. Pas mal d'action, les gars, c'est pas mal. Oh, c'est trop bien, les gars, vous imaginez pas. Ça, le jeu, en fait, il aurait dû le mettre dès le début, en fait. Je suis sûr qu'il y a plein de gens, ils sont pas assez loin pour voir. Je suis sûr qu'il y a plein de gens, ils sont pas allés assez loin pour voir qu'il y avait, on pouvait planer, les gars. Mon père pensait qu'il y avait quelque chose de pas clair avec le Powers Club, mais il a jamais pu prouver qu'il y avait des activités illégales. Malheureusement, l'élite de Gotham a le don d'avoir les mains propres au bon moment. Alors tant mieux s'ils savent pas que j'arrive. À mon tour. En ligne. What? Je savais pas que j'avais ça, les gars. Oh, je savais pas que j'avais ça, les potes. J'avais pas compris que j'avais un truc comme ça, là. Il sort d'où, ce machin? J'y suis. On va voir ce que les 1% font de leur temps libre. Super. Dis-nous si tu trouves quelque chose. Ils ont leur propre service de sécurité. À toi aussi, on va prendre une très longue pause, hein. Je me plains pas. De prendre un peu son temps. Alors qu'est-ce que tu crois qu'il a fait? Ça? Tout ce que je sais, c'est que j'ai une pause plus longue. Ça inspire pas confiance.
Allez hop, ça c'est fait. Maintenant, je peux bien regarder. Oh, je comprends pas. Ah oui, d'accord. J'ai pas vu. La RA a repéré cette traînée de sang. Voyons ce qu'on peut trouver d'autre. Il y a quelque chose sous le sol. On dirait que c'est raccordé à une sorte de réseau. Il doit y avoir un moyen de l'activer. Bosser dans un club, je m'attendais pas à ça. C'est un club de gentlemen. Je dis juste que je pensais arriver dans un truc plus festif et surtout moins puissant. L'affaire, c'est de l'argent facile. On n'a même pas à côtoyer les snobs. Ouais, d'ailleurs, c'est quoi ce bordel? On s'en fout. On en sait, mais on se porte. On dirait que les choses s'accélèrent enfin par ici. Ouais. Pourquoi la sécurité est renforcée? Qui sait ? Un tas de gros riches qui veulent se sentir importants. Comment ils savent que c'est moi ? C'est vrai que c'est fou ça. On a une intruse passée. Comment cette forte avec ça? Cet endroit me fout les jetons. M'en parle pas. J'entends des gens entrer, mais pas ressortir. Super. La dernière chose que je voulais entendre. Vivement que ma garde soit finie. Ouais, elle est finie ta garde. Excusez de demander. Oh. Un peu trop évident, non? Parfait. Et
Un livre ? Quel dommage pour ce livre. Bingo. C'est que le système chez eux là. Un escalier caché. Et ils se sont sûrement pas arrêtés là. Beffroi, on a un escalier caché ici. Je descends. Ça capte plus, attention. Beffroi, quelque chose brouille le signal. Mode enregistrement. Envoie dès que possible. Ça sent la bosse, les gars. Le sang va tout droit vers ce mur. Il y a quelque chose de caché dans cette pièce, c'est sûr. Il doit y avoir autre chose dans cette pièce. Une autre sortie ? Ça a fait quelque chose. Tu as pivoté pour afficher les différents angles. Je pense qu'il faut mettre le côté qui est rectangulaire, non ? Non, je sais pas si c'est le bon truc. La cour des hiboux voit tout entre les murs de Gotham. Elle règne sur chacun de nous, convoitant jusqu'à nos âmes. Il se passe rien. Est-ce que c'est dans ce sens ou dans l'autre sens? Je sais pas. Comment on peut savoir? Est-ce qu'on a un truc quelque part? Thank you.
elle se dresser, devient la proie de l'ergo. Résolver l'énigme, je comprends pas en fait ce qu'il faut. Y'a aucun indice là, quelque part? C'est bon. J'avais bien fait de me... Non ! J'avais bien fait de me fier à ça au début en fait. Après j'ai voulu changer de stratégie, j'aurais dû m'écouter. Ça a bugué, ça m'a fait sursauter. Oh. Oula. Oula. Qu'est-ce qu'elle vient faire là? Je sais que vous m'entendez pas, mais le pingouin disait la vérité. La cour des hiboux est bien réelle. Pourquoi ? Est-ce qu'on va se faire capturer ou... Jusqu'où plonge ce trou de lapin ? Oh, baby, so...
Nous aurions pu faire tellement de choses. Mort laisse libre cours à notre nouvelle acquisition. Bien. Tâchez tout de même de faire attention à ce que vous leur laissez voir, Crasher. En ce qui concerne l'autre problème... On a déjà arrosé les sénateurs. On m'a promis que votre décret serait adopté le mois prochain. Merveilleux. J'ai horreur de me salir les mains. Oh, le chien, il est empaillé, là, les gars. Pardonnez-moi. Je dois vous mettre à monsieur. Ça va pas être, les gars. Petite souris, maintenant. Vous êtes si lâche. Il va falloir passer par eux. Personne ne passe. La cérémonie ne peut pas attendre. C'est pas la peine de me le dire deux fois. C'est notre chance d'impressionner. Oh, c'est stylé. Je dois le retrouver, et vite. Ce qu'on leur a mis, les gars? C'est vraiment pas mal, il y a de l'action et tout, j'aime beaucoup, moi. J'aime beaucoup le jeu, les gars. Il y a des petits défauts, mais en attendant, il m'occupe très bien, et... il est vraiment stylé. C'est sûrement l'homme qu'ils ont emmené. Wow. Non, non, vous pouvez aller. Et voilà, on est capturés, les gars. J'avais été sûr. C'était sûr. Et aussi mort aux intrus. Rapule. Espèce de misérable ordure. La voix de la cour arrive. C'était certain, les gars. La cour ne peut tolérer cet échec. Il faut payer en le sang. Ne faites pas ça. Je ferai ce que vous voulez. Quant à vous, Vermine, là n'est pas votre place. La dernière fois qu'un intrus a pénétré ici, c'était il y a plus d'un siècle. La punition pour cette infamie demeure la même. Aïe, aïe, aïe. Par contre, c'est abusé là, non? Oh.
Comment on sort du coup? Je pense que c'est... Ah merde, je sais pas par où il faut partir les gars. Il doit y avoir des centaines de morts. On dirait que cette veste date au moins du 19e siècle. La cour massacre des gens depuis des siècles. Les manches comme ça faisaient fureur au début du siècle dernier. Ça semble prometteur. De reprendre, de retourner dans l'air libre, les gars, ça va être trop bien. Ravi de vous entendre à nouveau. Que s'est-il passé? Est-ce que tout va bien? Je vais bien, en gros. Mais je sais même pas comment décrire ce que j'ai vu. Je vous expliquerai tout en rentrant. Bien reçu. À tout à l'heure.